الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا ودعاء مستجبا. إن شاء الله كالله سبحانه وتعالى augmente nos savoirs, nos connaissances. Et qu'il nous permette de lire ce que l'on a à lire et de comprendre ce que l'on a à comprendre, inshallah. Donc, on va voir ensemble ce que ça veut dire Toltec. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il en ressort de cette sagesse. J'aime particulièrement étudier les sagesses ancestrales. On sait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a envoyé plus de 124 000 prophètes. Et donc, bien avant Ibrahim, alayhi salam, bien avant. On a des traces comme ça de sagesse, notamment chez les Aztèques, et on voit qu'il y a une similitude avec les enseignements islamiques, mais après que ça a été détourné. Par exemple, par rapport aux attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on les retrouve, mais et on le voit aussi par rapport aux idoles qui étaient autour de la Kaaba. À la base, ce sont des attributs qu'on attribue à un Dieu, Allah, mais là, ils vont déifier pour chaque attribut, ils vont accorder chaque attribut à un Dieu. Bref, on en parlera. Un accord avec lequel tu vas t'engager, quelque chose qui va t'aider à ta réalisation. J'aime bien ce mot accord, c'est une bonne idée de l'avoir appelé comme ça, parce que il faut qu'on arrive à se mettre d'accord avec les principes qu'on veut embrasser. Donc j'aime bien l'idée du mot accord. Donc le premier accord toltèque, quel est-il? Alors le premier accord toltèque, il reprend un adage biblique, un proverbe biblique, un verset biblique qui dit que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable. Et pour l'auteur, Don Miguel Ruiz, le plus important d'après cette sagesse ancestrale mexicaine, et c'est le plus difficile accord à appliquer. Donc, le premier accord toltèque, en tant que musulman, ça nous parle là. Que votre parole, et en tant que croyant tout court, que votre parole soit impeccable. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà qui a l'air très simple, mais en réalité, c'est très puissant. Pourquoi? Car d'après eux, notre parole aurait un pouvoir créateur. D'ailleurs, il reprend un autre verset qui dit, au commencement était la parole ou le verbe. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi la parole serait-elle si importante? Car nos intentions se manifestent par la parole. Ce que l'on pense se manifeste par la parole. Ce que l'on ressent et ce que l'on est vraiment, tout cela se manifeste par la parole. La parole n'est pas seulement un son ou un symbole écrit. La parole a un pouvoir, une force. La parole peut rassembler, aider, comme elle peut détruire, séparer, blesser. La parole peut libérer, mais on sait très bien que la parole peut aussi asservir. Une parole peut changer une vie. Une parole peut guider, comme une parole peut égarer. D'ailleurs, en islam, on entre en islam par l'expression d'une parole, d'une attestation de ce qui se passe dans notre cœur. On atteste à l'extérieur sa foi qui émane de l'intérieur. Une parole, elle peut convaincre, et une parole peut aussi attiser et réveiller des peurs. Et donc, le premier adage, que ta parole soit impeccable, pourquoi? Eh bien, l'auteur compare l'esprit humain à une terre fertile dans laquelle des graines sont continuellement semées. Et ces graines, c'est quoi? Des opinions, des idées, des concepts. Vous plantez une graine, une pensée, et elle croît, et elle pousse. Et la parole, c'est une graine. Et l'esprit humain est si fertile, malheureusement, parfois, certaines terres vont être fertiles à certaines graines, pas forcément positives. Il s'avère que il y a des terres, lorsque l'on sème la graine de la peur, bien ça pousse très vite. Il y a des terres plus sensibles à d'autres que la parole. Et chaque esprit humain est fertile, mais il y a des graines qui vont pousser plus vite sur certaines terres.
Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il est important, précise-t-il, de découvrir le type de graines auxquelles notre esprit offre sa fertilité. Finalement, si mon esprit est une terre, quelles sont les graines qui poussent plus facilement sur ma terre intérieure? Qu'est-ce qui fleurit plus facilement? Exemple, vous avez fait pousser un certain nombre d'idées, de concepts, de croyances sur votre terre qui vous aident à supporter, à vivre, qui ce sont les jalons, ce sont les choses sur lesquelles vous vous appuyez au quotidien. Et puis, quelqu'un vient, si on prend l'image d'un pulvérisateur, pulvériser ses idées sur votre terre. Alors, il y en a aucun effet, mais il y en a, ça joue sur leurs fleurs. Il y en a, ça peut détruire leurs fleurs. Il y en a, ça peut détruire l'idée qu'ils se faisaient d'eux, par exemple, l'opinion qu'ils avaient d'eux. Et donc, pour lui, il est important de découvrir le type de graines auxquelles notre esprit offre sa fertilité et de les préparer, de préparer notre terre à recevoir les semences de l'amour et de se protéger des autres graines. Une peur, un doute, un préjugé semé dans notre esprit et, on le sait, ça aura des conséquences sur notre choix, sur nos choix, en tout cas, surtout pour certaines personnalités. Alors les paroles pénètrent dans nos esprits et peuvent changer nos croyances et nos certitudes. Tu t'es toujours dit que tu fais telle ou telle chose mal. Je ne suis pas douée pour faire telle chose. Je ne suis pas douée puis pour faire telle chose. Et puis là, tu rencontres une personne qui te dit, bah dis donc, c'est bien, j'aime bien quand tu fais ça, j'aime bien comment tu fais ça. Eh bien, ça peut remettre en cause l'idée que tu te faisais de ton potentiel, de l'idée que tu te faisais. Oui, de ton potentiel. Alors lui, il dit, c'est comme si la parole, par cette parole, cette nouvelle parole qu'on vient te proposer et semer dans ton esprit, sur ta terre, c'est comme si il dit, on brise un sort où le sort est rompu, comme si la chose à laquelle tu avais toujours cru est remise en question. Le premier accord, cette première sagesse mexicaine qui est que votre parole soit impeccable, mais qu'est-ce que ça veut dire impeccable? Qu'est-ce que ça veut dire le mot impeccable? Eh bien, impeccable, ça vient du latin. J'aime bien quand on utilise des mots en latin, ça fait toujours rire. Et le mot impeccable vient du latin peccatus, qui signifie, qu'est-ce que ça veut dire peccatus? Ça signifie péché. Et donc, s'il y a un radical 1, ça veut dire sans péché. Et donc, que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire que ta parole ne te fasse pas commettre de péché. Subhanallah. Quand tu viens à l'origine des mots impeccable, ça veut dire sans péché. Donc là, il invite à quelque chose pour nous en tant que musulmans d'important, que ta parole soit impeccable. Et puis ça a été transmis de prophète en prophète. Et que ta parole soit dénuée de péché. Et un péché, qu'est-ce que c'est? Un péché, c'est quelque chose que l'on commet d'abord envers soi-même, contre soi-même. Même si c'est à l'encontre des gens, et même si tu le commets envers quelqu'un, et tu blesses quelqu'un, en premier, le premier concerné, c'est d'abord envers et contre toi-même, à l'encontre de ton propre bien, parce que ce n'est pas impeccable. Et chercher l'impeccabilité, si je puis dire, c'est chercher à ne pas se nuire en premier et ne rien faire contre soi, et donc, par voie de conséquence, rien contre les autres. La parole contre les autres, la parole animée de haine et de colère, eh bien c'est d'abord un poison émotionnel qui va à mon encontre et qui me dessert et qui va me ronger. Et chercher à avoir une parole impeccable, il te dit que c'est chercher à faire bon usage de ton énergie. Et vous savez, j'aime faire référence à la médecine traditionnelle chinoise et on te dit que trop parler,
la pointe de la langue s'ouvre au cœur, en fait, hein, et que trop parler, ça fatigue ton cœur. Et quand il dit cherche à avoir une parole impeccable et ça va te permettre de faire bon usage de ton énergie, ben oui, en fait, tu vas moins fatiguer ton cœur à parler pour ne rien dire ou à user d'une parole qui ne serait pas impeccable dans la mesure de ton possible. Alors, la question qu'on peut se poser, nous, en tant que musulmans qui lisons ce livre, sommes-nous en phase avec cet adage qui est un verset biblique, notre parole est-elle impeccable? Alors, je vais pas, on peut faire, il y a des livres là-dessus, je vais pas tout lire, mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Qaf, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 48? L'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc, qu'est-ce que là Allah nous dit? C'est que tu es responsable de la parole que tu prononces. Et tu as quelqu'un qui est là, tu as des anges qui sont là pour l'inscrire. Allah t'entend, mais au-delà de ça, c'est que ça va être inscrit. Autre référence spirituelle qui confirme que ce premier accord toltèque est complètement en phase avec notre spiritualité, que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier dise du bien des gens, ou qu'il garde le silence. Que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier dise du bien tout court ou dise du bien des gens, ou qu'il garde le silence. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, a demandé un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, qui donc est le meilleur musulman? Il lui répondit, celui dont le musulman non, dont les musulmans n'ont à redouter ni la langue ni la main. Donc toujours en phase avec ce premier accord toltèque. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, le serviteur peut, sans y prendre garde, prononcer une parole qui le fera tomber en enfer et l'y précipiter sur une distance supérieure à celle qui sépare l'Orient de l'Occident, Allah al-Musta'an. En vérité, le serviteur peut sans y prendre garde. Et je trouve que là, dans le hadith, la phrase est importante, c'est-à-dire sans y prendre garde. On parle très souvent plus vite que l'on ne réfléchit aux conséquences de ce qu'on va dire. Donc, en vérité, et là, qu'est-ce que dit le hadith? C'est en vérité le serviteur. Donc là, on est dans la catégorie de celui qui a décidé de servir Allah. C'est pas l'être humain tout court. En vérité, l'être humain peut, sans y prendre garde, prononcer une parole. Non, c'est Allah, là, il s'adresse à celui qui chemine. En vérité, le serviteur peut, sans y prendre garde, prononcer une parole qui le fera tomber en enfer et les précipiter sur une distance supérieure à celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Donc là, Allah, il insiste sur le fait des lourdes conséquences des paroles que l'on prononce. Certes, l'homme peut prononcer une parole agréée d'Allah. Hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certes, l'homme peut prononcer une parole agréée d'Allah sans en mesurer toutes les conséquences, et pour laquelle Allah lui accordera son agrément jusqu'au jugement dernier. Donc là, c'est intéressant, c'est que qu'est-ce que nous dit le hadith? Certes, l'homme peut prononcer une parole agréée d'Allah, une parole donc positive, avec des conséquences positives. Il n'en mesure même pas les conséquences positives, et grâce à cette parole, Allah va lui accorder son agrément, non pas yawm al-qiyamah, non pas in fine, à la fin, le jour du jugement, non, c'est jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire que ta parole, elle a des conséquences sur la valeur et la place et l'opinion qu'Allah va se faire de toi jusqu'au jour du jugement dernier. Et inversement, et l'homme peut également prononcer un mot sans en mesurer la gravité, et qu'il lui vaudra, qu'Allah nous préserve, le courroux et la colère d'Allah jusqu'au jour du jugement dernier. Dieu peut être en colère envers toi. Les mots qu'on prononce et la parole qui sort de notre bouche, on n'a pas conscience vraiment
si on n'y réfléchit pas sur l'impact que ça peut avoir. Et très souvent, on peut avoir de très bonnes opinions, mais ce qu'on dit et comment on le dit a un impact dramatique.